Salut, c'est Mobio et nous sommes de retour sur Half-Life 2. Et là, on était en pleine guerre, il y avait des Striders partout, mes potes qui se faisaient tuer à la chaîne, et je dois tout faire, bien sûr, comme d'hab. Enfin, Gordon Freeman doit tout faire, comme d'hab. Donc, on est parti. Alors là, il y a quoi? Il y a rien? D'accord. Gordon, aidez-moi! Aidez-moi à quoi? Chien est arrivé sur la place en se cognant sur les murs et... Je pense qu'il cherche Alix. Je crois qu'il s'est mis dans la tête qu'elle est dans la citadelle. Ouais. Je pensais qu'Alix voudrait lui éviter des ennuis, mais... Celui-là, quand il a une idée en tête... Oui, salut. Et alors? Chien, pas ici! Tu ne peux pas passer par là! Si on peut. Ça marche. C'est le comble. Je pense qu'il veut que vous passiez, Gordon. Dépêchez-vous. Oui, je veux bien. Oh, mais c'est haut, Et si vous voyez le docteur Brin, dites-lui de ma part, allez vous faire! D'accord. On parle de la meuf, là, je pense. Être embêté par plein de choses, plein de choses. Ça me paraît clair. Il y aura à nouveau des zombies, des araignées. Ok. Ça mérite une petite sauvegarde. Je vais, hein. Je pense que je vais, mais j'y vais. Okay. Hop là, parti. Suis-je? D'accord. Je suis dans la lumière. Ça y est. Les structures sont impressionnantes quand même. Ouais.
alors. Un tour. Vous avez beaucoup de soldats. J'ai des vaisseaux. Je prends à moi tout seul, j'aurais géré tout ça, mais pas possible. Ça y est. D'accord. Oh mon dieu. Oh. Chargement. Alerte de sécurité. Arme non enregistrée détectée. Champ de confiscation engagé. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez confisquer? Hé, mes armes. Oh, prenez-les-moi là. Voici le docteur Freeman. Enfin. Oui, enfin. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise du tout, et encore moins une bonne surprise, n'est-ce pas? Je suis simplement quelqu'un de pragmatique. Ooh. Vous avez déjà vu Avenger? Oups. Pitoyable Dieu. Voilà. On va passer. Alerte de sécurité. Singularité en cours de l'entrée.
voilà, ici. Ah, voici le docteur Freeman. Je l'avais pas vu, celui-là. Enfin. Oui, oui. J'aimerais dire que c'est une bonne surprise, mais ce n'est pas une surprise du tout, et encore moins une bonne surprise, n'est-ce pas? Je suis simplement quelqu'un de progressif. Qu'est-ce que je te dis? À lire. Cette fois-ci, ça ira beaucoup mieux. Docteur Freeman, dans d'autres circonstances, j'ose espérer que nous aurions peut-être pu travailler ensemble dans une atmosphère de confiance et de respect mutuel. En juger par votre bref passage à Black Mesa lorsque j'étais administrateur, vous auriez pu devenir un élément prometteur et productif pour la recherche scientifique. C'est ça. Pourtant, je ne comprends pas ce qui vous a pris. Mais il n'y a pas de place pour un physicien dévoyé dans ce projet. Mais oui. C'est ce que j'allais dire. Rien du tout. Là, c'est mon bouclier. Ça pète. Ouais, il freine, sûr. Nickel, hein, 200 de vie, 200 d'armure. Voilà. C'est en partie la faute de vos mentors. Je suis bien plus déçu par Ellie Vance et Isaac Kleiner que triste pour votre malencontreux choix de carrière. Ouais, ouais. De toute façon, vous n'auriez pas pu faire autrement. Qui sait ce qu'ils ont pu vous inculquer lorsque vous étiez jeune et naïf? Même si on leur pas à rester sur le récent, c'est qu'ils seuls et qu'ils mépris envers les générations futures.
quoi. Vous avez tant détruit, mais dites-moi, qu'avez-vous créé exactement? Pouvez-vous citer une seule chose? J'ai créé ta faim. Non, vous pouvez pas. Si, si, j'ai créé ta faim. Là j'ai tué, là j'ai tué une centaine. Dans un sens que nous pouvons seulement entrevoir. Les patati et patata. Bon, on va profiter, hein, parce que ça fait 20 minutes. Donc, voilà. Si l'épisode vous a plu, bah, vous mettez un pouce vert. Si vous n'avez pas plu, vous mettez un pouce rouge. Et c'est bientôt la fin, hein, on peut vous dire. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, hein, pour voir au moins la fin. Donc, je vous dis au revoir.